Messieurs Fillon et Macron, eux, ne veulent pas être président de la République. Ils sont en réalité les représentants d'intérêts privés. Ils sont des rouages d'intérêts commerciaux, des courroies de transmission de la finance. Ce sont eux qu'ils veulent installer à l'Élysée. Les deux veulent davantage encore d'Union européenne. Les deux veulent des gouvernements de la zone euro, des ministres européens. Les deux veulent donc à terme encore moins de souveraineté nationale, encore moins de France, encore plus de transferts financiers vers l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud. Ce qui se profile, c'est bien sûr l'impôt européen, un de plus. Depuis près d'une semaine, Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni subissent les affres de barrages bloquants. Depuis près d'une semaine, le centre spatial fait savoir que le tir de fusée est différé. Depuis près d'une semaine, les avions sont contraints de faire demi-tour ou d'être déroutés sur les aéroports voisins parce qu'ils ne peuvent plus se poser à Cayenne. Depuis près d'une semaine, la ministre de l'Outre-mer n'a rien trouvé de mieux que de convoquer une réunion à la fin du mois sous les lambris de son ministère.